Bonjour Pascal, avez-vous bien dormi? Oui, 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 et vous? Oui, très bien. Je pars faire ma promenade matinale. Est-ce que vous voulez venir avec moi aujourd'hui? Eh bien, pas aujourd'hui, j'ai pas mon manteau. On verra demain. Bonjour madame. Tiens, te voilà toi. Eh oui, je reviens. C'était... Imagine-toi ce qui m'est arrivé. Il y a un monsieur qui m'a un peu fait peur. T'étais alors... toute seule? Oui, j'étais toute seule. Il était sur un banc. Un beau jeune homme? Non, c'était pas un jeune homme. Bonjour monsieur, mais vous êtes bien matinal. Bonjour madame, tous les matins vous marchez comme ça? La marche matinale remplace bien tous les médicaments, vous savez. Eh bien, je vous verrai demain. Vous marchez toujours à la même heure? Je pars toujours à la même heure, oui. Il fait froid de bon matin si on ne bouge pas comme ça. Oh oui, il fait vraiment froid. Mais avant de partir, j'ai droit à un bon café, bien sûr, et une tartine. Parfois, la vie nous réserve des mauvaises surprises. Vous savez, j'étais un bon danseur. Maintenant, j'ai plus le rythme. Et vous savez, je jouais du piano et de l'accordéon et de l'harmonica. À demain, bonne journée alors. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il marche en chaussons et puis il fait froid. En plus, il est sale. Pourquoi est-ce qu'il est sur ce banc si tôt? Est-ce un SDF? Oui, j'en ai l'impression. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu lui arriver pour qu'il en soit là aujourd'hui? Il avait l'air d'être quelqu'un avant. Musicien, danseur. Mince alors! Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Comment va? Bonjour. Ça va? Je viens de me promener. Encore? Et oui. Et j'ai revu le monsieur sur le même banc, qui m'a paru, il m'a moins fait peur. Il m'a paru assez sympathique. Ah, c'est mais bien. Il a l'air malheureux. Oh, il a l'air malheureux. Il a raconté quelque chose? Ben, il n'était pas trop bien habillé. Il a plutôt SDF. Bon. Bonjour monsieur, il fait froid aujourd'hui. Regardez, je vais vous apporter du café et des gâteaux. J'espère que ça vous fera plaisir. Oh, merci bien. Je m'appelle Michel et je ne veux plus que vous m'appeliez madame. Et attention, le café est très chaud. Moi, je suis François Lecluse et je suis vraiment ravi de vous connaître. Vous savez, il y a un mois que je vous vois marcher tous les matins. Oh, je vois pas du mal. J'ai bien conscience qu'il vous est arrivé quelque chose pour que vous soyez là aujourd'hui. Est-ce que vous accepteriez que je vous aide? Vous voyez, je suis très âgé aujourd'hui. Comment vous pourriez m'aider? On peut pas être et avoir été, vous savez. Laissez-moi vous aider. Alors, première question. Est-ce que vous souhaitez devenir locataire à la résidence Quiétude? Ça serait un rêve pour moi. Je vous vois passer tous les matins et je vous envie. Vous êtes belle et vous avez la chance de bien marcher. Racontez-moi, il n'est pas trop tard. J'ai eu un terrible accident de voiture et je ne sais plus qui je suis. Je me souviens de mon nom et j'ai habité à Abbey. C'est terrible. Vous êtes un sans-papier qui vivait dans un foyer. Je ne vis pas dans un foyer. J'y dors tout simplement. Ça ne vous ennuie pas que je raconte votre histoire autour de moi? Alors, monsieur? Ce monsieur, eh ben oui, eh ben, il faudrait peut-être faire quelque chose pour lui. Ça fait de la peine de le laisser à la rue comme ça, avec sa valise, désemparée. Il ne peut pas faire ça tout seul de notre chef. Non, il faut qu'on voit avec le directeur. Ah oui. Vous avez l'impression qu'il serait prêt, lui, à...
faire une démarche. Oui, faire une démarche. Il faudrait que nous la fassions, la démarche, nous. Et puis en plus, vous vous souvenez qu'il a perdu la mémoire. Ça serait bon de consulter tout le monde. Moi, je m'occupe du premier étage. Je m'occuperai du deuxième étage, attendu que je loge au deuxième. Et moi, du troisième. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je veux bien faire la démarche, moi aussi. Peut-être quelque chose. Messieurs, dames, tout va bien ? Oui, mais il y a un monsieur dans la rue. Je pense, je ne sais pas ce que vous pensez, mais ce serait bien qu'on s'occupe de lui. Mais Marilyn, vous ne pensez pas que ce serait dangereux d'accueillir un homme qu'on n'en a jamais vu ? On ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas d'où il sort, Ah ben alors, c'est pas possible ça. Dire des choses pareilles. Tu connais son histoire, toi ? Il ne faut pas agir ainsi. Ben non, je la connais pas. Mais enfin, pour en arriver là, il a dû dépenser tout son argent. Et maintenant, il est dans la merde. Marilyn, est-ce qu'il y a des logements de libre ? Mais oui, oui, je vous confirme. Il y a bien deux appartements de libre. Hein. Ah bon ? Donc on va être obligé de l'accueillir, quoi. C'est décidé. Vous seriez bien contente si on vous accueillait après un accident de voiture. On est tous d'accord maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il va falloir réactiver ses papiers à ce monsieur. Nous, on a notre neveu Mickaël qui travaille à la mairie. On peut lui demander de faire les papiers. Attendez, attendez. On va retourner le voir et on lui demandera des précisions. Je veux en savoir un peu plus. Tu as raison, Michel. Je vais venir avec toi. Il faut son nom, son prénom, sa date de naissance et son lieu de naissance. On vous apporte ça le plus rapidement possible. Oui, le plus rapidement possible. Avec Julia, on va aller voir Virginie pour l'administratif et on fera bouger la CAF. Moi, je m'occupe de M. Valentin. Il m'en doit une, je l'ai battue à la pétanque. Bonjour François, je suis une amie de Michel. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Quel âge avez-vous ? Je me souviens du 4-4-40. C'est facile. Oh, ben ça, c'est une bonne nouvelle. C'est super. On va pouvoir faire vos papiers maintenant. J'ai vécu longtemps à Ambilly. Écoutez, François, n'ayez pas peur. On s'occupe de tout. Alors, bonjour, Michael. Je vais te donner les informations pour me refaire une carte d'identité, s'il te plaît. Oui, alors, je t'écoute, Claire. Il s'appelle François Clouch, né à Ambilly dans le 74. Oui, mais écoute, dans 15 jours, ce monsieur peut venir à la mairie récupérer sa carte d'identité. Bonjour Marcel, bonjour Julia. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Nous souhaiterions faire rentrer un monsieur qui se promène dans les parages et qui, semble-t-il, est un petit peu en perdition. Oui, Marcel, je suis au courant de l'histoire. Il faudrait nous aider pour remplir les documents de la CAF. Est-ce possible de le faire tout de suite ? Oui, bien sûr. Je vais attraper les documents qu'il me faut et puis vous allez me donner son nom. Bonjour, David. Comment ça va aujourd'hui ? Dites-moi, Gérard, quel bon vent vous amène ? Est-ce que vous auriez pas quelque chose d'un petit peu particulier à me demander aujourd'hui ? Vous êtes un homme si brillant, intelligent. Oh Gérard, n'en faites pas trop. Eh bien, vous m'en devez une, vous m'aviez dit que si j'avais besoin d'un service. Racontez-moi Gérard, ça ne concernerait pas un projet un petit peu fou dont j'entends parler depuis quelques jours au sein de la résidence ? Ce serait pour un senior, François, monsieur François, qui n'a pas de logement, si vous aviez un logement pour lui. Oui, j'ai un studio de libre, et heureusement d'ailleurs. J'espère que le studio est propre au moins. Marguerite, bien sûr. Merci, David, de l'accueillir dans notre résidence. Bonjour, François. Alors, si tout va bien, demain, tu rentres à la résidence. On a fait, mais ta carte d'identité, tu l'auras dans 15 jours. Ouais, non, de gueule. Il y a un appartement de libre à la résidence. Il est même très propre. Il y a même un ascenseur pour te monter. Alors maintenant, pas d'excuses. Tu n'as plus de soucis à te faire. À présent, tu auras l'aide au logement. Ah, merci beaucoup. Je ne manquerai pas de... Rien. Il y a une chose qui sera bien. Tout ton dossier est bon. Tu n'as plus qu'à rentrer à Quitude et faire connaissance. Ça
Eh bien, maintenant, tu vois, François, tu n'es plus seul. Mais oui. Hein? Oh, mais tu seras bien, là. Oh, je suis content. Allez, il faut pas pleurer. Si. Oh, mais si, oh là là. Mais c'est vrai ce que tu me dis? Ah ben bien sûr, c'est vrai. Oh bien sûr. Oh.